C'est Arc08, aujourd'hui j'ai fini une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve sur Borderlands version 1 pour la découverte. Alors le jeu est certes sorti il y a des années, mais moi je viens seulement de l'avoir grâce à Epic Games. Donc c'est parti, on va faire une nouvelle partie. Je sais pas du tout si c'est ça que j'aurais dû faire, s'il y a des cinématiques ou pas. Je pense qu'il y a une cinématique, je me teste si ça parle en tout cas. Pour l'instant ça ne parle pas, visiblement. Le son du jeu a l'air correct. Oh la vache. Wow, l'image elle est super bizarre. Oh les vieux graphismes. Va falloir t'expliquer un peu ma grande. Formée dès l'enfance par Atlas au métier d'assassin, plus de 1000 meurtres à ton actif, t'as bien failli tuer mes deux meilleurs hommes avant qu'ils ne te capturent. On est ses meilleurs hommes. Ça me réchauffe le cœur. Oh. Alors voilà, Athéna. Je vais te poser une seule question. Et si je n'aime pas ta réponse, tu vas mourir. On joue! Attention, je ne répéterai pas. Pourquoi? C'est une longue histoire. Après la chute du général Nox, j'ai arpenté Pandore comme mercenaire. Un jour, un programmeur de chez Hyperion m'a proposé un boulot. Et il fallait que j'aille sur la Lune, chasser une arche, jouer les héros. J'aimais pas Hyperion, mais j'avais trop faim pour refuser un job payé. Et qu'est-ce que t'as trouvé? La violence, la folie, et un héros. Je crois que c'est fini. Ah non. Oh, c'est quoi ça? Par contre, ça fait vraiment vieux graphisme. Je crois que c'est fini la cinématique. Ça fait vraiment les vieux graphismes de jeu. D'un côté, ça me plaît. Enfin, j'aime bien en fait. Même si c'est pas les graphismes récents, j'adore. Ah oui, là c'est. Oh, c'est stylé. Bon, je laisse tout, hein. Je passe rien. C'est vraiment le but de la découverte. Je pense que vous avez peut-être déjà vu le jeu. En tout cas, moi j'adore. Pour l'instant, enfin, même si les graphismes sont vieux, je trouve ça beau. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait. J'espère que la musique elle est pas soumise à des droits d'auteur par contre. Oh ouais, ça a l'air stylé. Et je sais pas c'est quoi le but du jeu, j'ai jamais trop regardé. J'ai un petit peu vu Borderlands 3, mais ça m'a assez saoulé. Et je sens qu'en jouant, ça va être totalement différent en fait. Parce que moi j'aime pas, il y a beaucoup de jeux que je joue que j'aime pas regarder des vidéos, par contre j'adore en tourner. Enfin aujourd'hui j'avoue que je regarde plus trop de jeux de jeux vidéo, enfin je regarde plus de vidéos tout court. Je préfère en tourner, les monter et après quand je suis pas sur les écrans, c'est-à-dire beaucoup de temps quand même, parce que je passe pas beaucoup de temps sur les écrans, je sors dehors avec des potes, faire un tour de vélo, enfin voilà. Se retrouver en ville, etc. Enfin on fait beaucoup de ça. Après le confinement, c'est j'avoue que j'ai bien geek hein. Mais sinon, je ne geek pas trop en fait. Et je dois passer maximum 2 heures par jour sur les écrans. Voire 3 quand ça. Allez, maximum c'est 3. Et vraiment, sauf pendant le confinement où là j'étais du matin, en plus je me lève tôt, jusqu'au soir 18h. C'est stylé par contre, j'adore. En tout cas, je ne supporte aucun mode ultra le jeu. Là, il a beaucoup d'FPS. Je sais pas combien, mais il y en a beaucoup. Athéna de le rôle de gladiateur, j'arrive pas à parler. En tout cas, c'est bien stylé. C'est loin, n'empêche la Légion oubliée n'avait pas attaqué Helios. On n'en serait pas là aujourd'hui. Alors je sais pas du tout, je pense, enfin je sais que c'est un jeu de baston etc, mais je sais pas quel rôle on joue, enfin je pense on joue
le rôle des sauveurs un peu, genre, enfin, je sais pas comment expliquer. En tout cas, c'est stylé, les arrêts sur image, on se croirait dans un film, enfin, les arrêts, les ralentis, pardon. Franchement, il... enfin, on se croirait sur un film, j'abuse, mais... Franchement, il est pas mal, le jeu, graphiquement. Je sais pas de quand il date, mais j'aime beaucoup. Ça fait vraiment jeu assez ancien, et ça me dérange pas, en fait. Les graphismes, je les ai jamais trouvés moches. En fait, ce que j'aime pas, c'est quand c'est pixelisé, mais là, il est pas pixelisé du tout, le jeu. Après, je pense que c'est un jeu quand même qui date des années 2000, voire peut-être plus. J'ai pas peur. Alors... T'es déjà mort. C'est ça, continue à tirer. Ouais. Ouais, on va prendre Athéna, je sais pas pourquoi, c'est la perso qu'on avait en premier, donc je sais pas pourquoi, elle va être vachement puissante. Ou alors elle va être super dure à gérer, je vais pas assumer. Alors, je vais être nul au jeu, je vous dis, j'ai jamais joué. Chasseur de l'Arche, et merci d'avoir répondu à l'appel d'Hyperion. Malheureusement, la station spatiale Helios essuie présentement une attaque des forces militaires de Dal. Tiens, prends ce système, écho. Maintenant, suis-moi, je vais te mener... Eh ben, suis-moi, j'aimerais bien. Oh la vache, c'est fluide. Jolie fusée. L'atterrissage était un point... Par contre, ce qui me saoule, c'est que vous, sur la vidéo, ça va être à 60 FPS, que moi, là, je suis à 120. Donc, ça, c'est dommage que vous n'allez pas voir ça. Je peux pas courir. Oula, ça saute ça. Ça c'est pour courir. Voilà. Ouais, c'est les touches Epic Games quoi. Ouais, vas-y, ouvre. En plus, c'est en français donc j'adore quand les jeux sont en français. Ok, je voulais voir. Ok, pourquoi pas. Alors, qui sont les ennemis, qui sont les gentils? Veuillez patienter. Ok. Oh, par contre, c'est les vieux bruits d'armes, les vaches. Hey, t'es qui toi? Un pote, si. Oula. Par contre, la vue, la visée est assez... Waouh. C'est assez espèce. Voilà, j'en ai eu un. Non, soit c'est un gentil, ok. Ok, c'est bon, je commence à comprendre. Jamais tu crèves toi. Alors ensuite, il y a deux ennemis en face à skip. Ok, là ça se complique, ils bougent un peu plus les ennemis. C'est le type de jeu. Ah, à court de munitions. Ah. Il me faut des munitions. Comment on fait pour les munitions? Arrête! Au secours! Aidez-moi! Comment on fait pour les munitions, par contre? Je peux avoir des munitions, mec? Non, c'est pas toi qui gère. Ok. Je vais prendre ça. Je suis à sec. J'ai besoin de munitions. J'ai un peu. J'ai pas loué les méchants. Hey, toi t'es pas gentil. Qu'est-ce que tu veux, lui? Ok. Mais moi je peux pas avoir un petit peu de vie s'il vous plaît. Alors je veux bien, mais je veux bien des munitions aussi gros s'il te plaît, le petit robot là. Je sais pas comment on fait, mais alors pas du tout. La Légion oubliée a dû la battre. Tout le monde croit que les robots ne ressentent pas la douleur, mais en réalité, on la ressent au ralenti de façon très intense. Ce robot était en pleine agonie au moment de sa mort. Ah, je suis en feu! Au secours! Aidez-moi! Pourquoi je suis en feu? Ici Athéna au rapport. L'ex-assassin de la lance, c'est génial, je suis fan. Voilà. Par contre, moi j'ai un petit problème de vie, mec. Ah, ça c'est bien. Tiens, c'est quoi ça? Ah, ça fait des trucs. Peut-être des munitions. Ah oui, je veux bien prendre. Pour changer d'arme, c'est quoi déjà? Je l'ai fait tout à l'heure. Non. Ah, voilà.
Ok, je sais pas d'où sortent ces soldats. Bon, je suis un peu perdu, je suis vraiment désolé. Mais là, je suis coincé. C'est des méchants, ça. Ouf. Jack, dans un mot pétrin. Ouais, bon, on a remarqué. Oh, c'est bien fait, ça. Ouais, c'est bon, arrêtez de le frapper, bande de sauvages. Attention, Hyperion. Votre station spatiale Helios est désormais aux mains de la Légion oubliée. Rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Encore, j'ai plus de balles. C'est trop fixe ce jeu. Hop, toi tu crèves. Ah, je suis le pistolet, vraiment j'adore. Ok, ah. Voilà, tu meurs jamais toi. Merci. T'es mort, ouais. Allez, prends les balles. T'es vivant toi, oui, sous. Ah mince. On a un soldat en moins, seulement si seulement t'en avais un seul en moins. Attends, c'est quoi pour taper déjà? C'est ça. Ah, oups. Merde, plus de munitions. Comment ça, plus de munitions? C'est une blague? C'est la pire des blagues. Ouais, c'est quoi ça? Ouah, par contre, c'est bizarre. On va recharger un coup. Balle. Alors, il me semble que c'est par là. Voilà, c'est là. Dis-moi pas qu'ils ont tous respawn. Toi, t'es pas un. Toi, t'es un gentil. Attends, c'est où l'entrée? Je suis perdu dans ce jeu, ça commence bien. Attends, ah, il y a la map là. Attends. Ah, je suis qu'au niveau 1 et je galère déjà. Ça tombe bien. Attends. Ah oui, ok, il y a le point là, ok, la map elle est bizarre par contre, j'ai pas l'habitude de la map en haut à droite. Ça c'est les jeux Rockstar qui m'ont habitué comme ça, là à gauche. Et là il y a des gens, non? Oui c'est ça, faut que j'aille là-haut. Tu peux... Tac, là c'est là, hop. Là... Ah, je me demande si je vais pas faire un let's play là-dessus. Voilà, tu vois quoi, toi tu veux. Oh, toi t'es crevé, mec. J'entends des tirs. Ah, salut. Je t'ai loupé. Et c'est bon, arrête de. J'ai crève ces trucs là. C'était limite ça, je pensais que j'allais. Eh ben, il est pas facile le jeu, hein. On dirait qu'il est facile. Ouais, on va recharger parce qu'il me reste une balle. C'est moi, il est mort. Comment ça, tu pourrais m'aider? Tu peux pas te bouger les fesses, toi? C'est moi, t'as fini de trembler le. Qu'est-ce que tu veux, toi? À moins que tu préfères. Attendre. Ouais, non. Ok. Oh bon sang, tu m'as sauvé. Niveau 2, ah ça va vite. Et je suis à combien de vidéos? Ah ça c'est un petit truc qui manque avec Vegas. Vegas, OBS, c'est un petit timer. Alors là il faut que j'aille vers là-haut. Si on arrive à les repousser, on pourra partir à la recherche de cette arche sur la lune. Ouais, si tu le dis. Veuillez patienter. Ok. Alors on va faire deux niveaux et je pense. Je me demande si je vais pas faire un petit let's play là-dessus. Alors là, il faut que j'aille. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oui, parler. Très bien, tu as trouvé un bouclier. Tout est dans le titre. Il absorbe les balles jusqu'à ce qu'il soit vide. Ensuite, pense à te planquer le temps qu'il se recharge. Ok. Et laisse-moi juste activer les commandes de défense. Juste une minute et on aura des tourelles. Des pas le droit de balles. Des lasers. Oh, ah, ah, ces connards vont rien comprendre. Ouais. Ah, t'es délicat, ton gars. Système de défense d'Helios.
Elles sont où tes tourelles, gros? Non mais... Oh, il me saoule ce jeu. Arrête de charger les trucs. Étoile, c'est ça? Non. Ah, t'abuses pas sur la grosseur. Voilà, plus d'une. Où sont les suivantes? Y'en a qu'une? Ah non, il y en a deux. Je peux arrêter de trembler le sol? Alors franchement, j'aime beaucoup le jeu. Je sais pas du tout si je vais faire un let's play ou pas. Je ne sais pas. On verra ça. Mais le premier qui lui tire une balle en pleine tête aura un high five et un manoir de folie. Mais pourquoi pas tester. Ouvrir cette porte. Les vaisseaux ne sont plus très loin. Ouvrir cette porte, comment on fait? C'est pas lui qui l'ouvre? Ah si, c'est lui. Hop, allez, c'est parti. On va le suivre. Ah, j'ai convaincu de le gamin. Et... Oh. Ah, salut. Oh, c'est pas possible. C'est moi qui tire pas de balle. C'est leur colonel. Lance le plan. Une bonne balle en pleine tranche. Bonjour, Jack. Attends. Comment? Ah, c'est... j'aime bien là, ça. Toi, je suis pas sûr que tu sois très utile à mon gros. C'est qui elle? Non, c'est quoi cette chose? J'arrive pas à lire. Ah non, mais en fait c'est une loi inconnue quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, léger malaise. Cours! Et faut que je fasse quoi du coup? Super, elle a détruit les vaisseaux. Faut qu'on trouve un autre moyen de quitter la station. J'ai jamais vu une créature pareille. C'était quoi? Aucune idée, mais quelque chose me dit qu'il pourrait nous tuer par la pensée, alors tu sais... Cours! Jack, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On me signale des alarmes partout sur Helios. Rien, chef. Alors, rien du tout. Non. Rien, on a juste des, on a juste buté tout le monde. Des unités clap-trap qui vient d'essayer de s'accoupler avec une multiprise. Chef. Est-ce que je dois te rappeler que t'es là pour observer Pandore et rien de plus? Si Helios se retrouve endommagé à cause de toi, je m'occuperai personnellement. Ah, désolé, chef. Je passe dans un tunnel. N'importe quoi. Oh, les vieilles techniques, toi. Je vous ai traité de connard, et j'avais pas raccroché. Désolé. On discutera de tout ça bientôt, John. Voilà, Elpis. Cette saleté de brouilleur est quelque part sur ce caillou fissuré, et il fiche la pagaille dans tous les super systèmes de sécurité de la station. C'est plutôt rigolo. Je veux cette station et je veux sauver l'univers. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? La sécurité d'Hyperion est contrôlée. Allez! Ouais, on va prendre les balles là. Je sais pas si c'est des balles de quoi. Et c'est pas des balles de ça encore. Mais j'en ai marre, je veux des balles. Bon, attends, ils sont où les méchants? J'ai perdu du bouclier. Hein, quoi? Ça va, esquive mes balles, je dirais rien aussi. Moi aussi, je te tapais. Tiens, viens là. Oh, d'accord. Ah non, pas laissez-moi, trop tard. Ça va, heureusement, ils savent pas trop viser parce que c'est le début du jeu et on est en train d'apprendre à jouer. Ça pique le jeu, non? Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, ce bouclier, ça tient le choc? Ouais, il tient le choc, enfin. Mais pas en quelle façon? Mais qu'est-ce qu'ils font, ces débiles? On n'a même pas de soldats ici, c'est des ouvriers qu'ils tuent, là! Et nous, si on s'affole pas un peu? Ok, bon, j'ai une idée stupide. On va utiliser ce canon de tir lunaire. Suis-moi. C'est quoi ce canon de tir lunaire qu'on cherche? Imagine un gros canon qui bombarde des ravitaillements sur la surface de la Lune à environ 1000 km/h. On se faufile dans un conteneur et on s'enfuit par là. On n'en mourra pas? J'en sais rien, mais ça ferait quand même une belle mort, pas vrai? J'en sais rien qui dit. Oi, 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 oi. Je suis avec un gros malade. Le canon de tir lunaire, vite!
Toi, t'es pas des gentils, je pense. Ah si, t'es un gentil, toi. Ouais, en fait, les méchants, c'est ceux avec des gros casques qui ont galère à tuer, si j'ai bien compris. Ah, c'est toi qui viens de me faire un... Vous disposez à présent d'une grenade. Appuyez RB pour appuyer sur... C'est quoi RB ? RB, RB... Oui, je connais pas mes touches, je suis vraiment un boulet. Alors, les trucs rouges. Je voulais tester, je sais pas si moi, combien j'en ai de grenades. Quoi ? Point de compétence, vous avez gagné quelques points de compétence. Non mais t'es pas obligé. Oui, si tu le dis. Oh, eh, par contre, t'es pas obligé de... Il est en train de tout me présenter un par un, là. Bon, ma vie, ok, elle est bien. Par contre, c'est les balles qui sont ma mienne. Veuillez patienter, niveau de Brutas. Oui, si tu le dis. Oui, 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 c'est... Bonjour. Je ne savais pas pourquoi ces hommes de Dal voulaient tuer Jack. J'avais bien une petite idée. L'argent, la vengeance. Enfin, qui a vraiment besoin. Par contre, j'ai plus de balles, ça commence vraiment à me saouler. Tant il nous, monsieur Jack. Oh, des balles. C'est vrai que la mienne. Enfin, je sais pas ce que je ramasse, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, toi? Attends, tu m'attendais? Ah, je pensais qu'on allait avoir des potes. Mais pas du tout, enfin des potes, entre guillemets. Hop, ça passe. Allez, petite cinématique. Ouf, c'est quoi ça? Soyez purifiés par les flammes! Tu es ce type, j'imagine? Flamme. Flamme au point. Tu ce type. Ah. T'as besoin d'aide? Je peux te décaler le robot bizarre là? Alors là, j'aurais bien aimé avoir une grenade, tu vois. Je peux pas avoir sa vie. Critique. C'est toute nouvelle pour cette chose là. Tu fais quoi toi? Tu m'approches pas. Ça va, il m'a pas trop touché pour l'instant. Ah! Là je suis en feu par contre, là il m'a touché. Te dépêcher. Attends, il me semble qu'il y a d'autres trucs là. On va juste s'occuper des choses là. Merde, j'ai plus de munitions. Non, c'est une blague. T'as plus aucune munition? Non, mais c'est pas possible. En plus, je vais mourir crevé par le feu. Hey, j'ai plus de balles. C'est n'importe quoi ce jeu. Aïe 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 aïe. C'est moi, il m'a fait respawn un petit peu au début là. Ah non, ok, il me fait respawn là. J'ai eu peur, je commence à stresser là, j'ai dit mais il me fait respawn nous. Attends Jack, j'arrive parce que je vois que t'es en train de galérer face au pas gentil. C'est moi qui fais pas le malin. Pitié. Et pitié. Attends, bouclier s'il te plaît. Tiens, juste le temps que... Bah, le temps que je tue tout le monde. Là, ça c'est fait. Non, toi t'es Jack.
Jamais tu meurs toi? On va juste prendre tout ça, je sais pas ce que c'est mais bon. Ah, il en reste un qui a envie. Je vais meurtre là, ce truc là. Allez meurs! Bon allez, là cette fois on finit le niveau 2. Je vais appeler l'ascenseur. Il y a combien de niveaux en fait? Attends, pause. Bon voilà, on va cesser là-dessus parce qu'on a passé le niveau 2, ça y est. Donc c'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine. Et puis c'est tout. Allez salut.